great achievement, the sum total of your failings. Le problème, c'est que mes souvenirs, ils résistent fort au poison au début. Le premier passage. Ouf. The carrious gut of the coward, ripe with toxic pusillanimity. Ça va être genre un 40-60%. À 100, ah, c'est un 100%. Ah ouais. J'avais oublié ce détail. Après 100% avec elle, je le réduis, mais... je suis à 67, ça reste pas non plus des masses. Déjà, à la limite, on peut se faire ça. Quand effectivement... là, c'est les dégâts qui vont manquer un peu. Faudra que je mise tout sur les saignements, quoi. Poison, ça sert à rien. Puis sur les coups critiques aussi. De toute façon, elle, je vais pas avoir le choix que de tenter. Il y a une chance sur 3 que ça empoisonne, quoi. Donc, bon. Du coup, je pense que j'ai bien fait de le booster son attaque à lui. Après, j'ai de la chance que tout le monde soit quand même assez résistant au poison. Du coup, je vais peut-être m'en sortir quand même. Donc, elle, c'est la pioche. Ce premier tour va être long. J'en suis conscient. Ah, et puis en plus, le saignement, il passe, mais genre, il joue 4 fois avant que je joue, quoi. Résiste encore. Faut tempo, là j'ai pas le choix, je suis obligé de tempo. Ah, j'aurais su aller mettre plus de saignement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va falloir que je la déstresse, je pense. On tempo. Hop. On met de la résistance sur tout le monde. Alors, on continue, hein. On continue. Là, c'est à quoi? Je sais pas combien il est, là. 55, normalement, non, il est pas encore à 30%. Au prochain tour, il le sera. Ah, dommage, il résiste au saignement. Ah, je suis assez à l'empoisonner. Du coup, c'est un petit peu plus vite. Après, ce qui est bien, c'est que mon coup de masse, en plus, il déstresse l'énergie. Du coup, je m'en sors bien pour le stress, quoi. Bon, en plus, ça régène un peu, c'est bien, ça. 9, ça devrait suffire, normalement.
là ça va. De toute façon, là, je vais pas pouvoir faire grand chose. On va réduire un peu le stress. Lui, je crois que c'est plus combat de stress, lui. Okay. Ah, par contre, lui, je peux l'empoisonner. Donc là, par contre, lui. Lui, on va lui mettre tarif sur, sur le poison, par contre. Bon, 40, après, j'ai. Putain, il a résisté, bordel! Allez, faut y aller là. On a 16. En fait, faut que j'arrive à cumuler avec, avec elle. Sinon, ça va me foutre dans la sauce. On va faire ça. Vu qu'il m'a tout enlevé. Je vais l'enlever ça. Ça finalement, banditisme, ça met bien quand même. Poison, hein. Putain, mais mets du poison, bordel! Oh putain, il y a gros moche. Ah, la patate. La patate de forain. Je vais taper, je pense. Bah, ça va et toi? On retente le boss de fin, je l'ai raté hier, de pas grand chose. Et là, on le retente, mais bon, ça va être compliqué. Bah, petit coup critique. Ah, je lui remets une infection en plus. Bah, c'est la vie, hein, la vie, ça va être compliqué. Allez, empoisonne-le! Putain, si je lui enlève 10 PV, il meurt. J'ai une chance sur 6. Avec ça. Ça, c'est mort. Allez, une chance sur 6. Raté. Ah merde, il a plus que. Quoi? Il a plus que 4 en poison. Merde! Faut que je vais remettre 12. Oh. Du coup, mon calcul n'était pas bon, Kevin. Ça, par contre, c'est une bonne patate, ça. Là, par contre, 12, il va décéder. Hein. Ça, toujours pas. Bah, ça... C'est lui le boss. Ouais, mais il a 3 phases. Enfin, il a au moins 3 phases. Et moi, je suis mort sur la phase-là que je vais faire, là. En plus, j'ai pas eu de bol, parce qu'il vraiment, il lui restait pas grand-chose en vie, et... Et ça m'a mis au fond. Vas-y, attaquez-moi, les enculés. Il doit y avoir moyen là. Lui va mourir. Ah putain, il peut plus être focus. D'accord. Ça c'est bien. Je vais faire ça. Ça va m'enlever mes debuffs en plus. Il reste combien? 6 PV, donc lui il est mort. Faut que j'essaie de taper ça du coup. Putain, il reste au poison, chier.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Putain, il résiste à tout, l'enculé! On va commencer par lui. Je pense que ce sera le plus simple. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, pour le moment, tout roule. Tu vas crever, je le sens pas. C'est possible. Tu vois, il a 1000 PV. Hier, je suis mort. Il lui restait 20 PV. J'étais dégoûté. Attends, non, ça va, parce que là, je vais avoir un... Parce qu'en fait, je vais pouvoir lui enlever 4 fois 200 PV, en fait. Oh putain, l'enculé. Par contre, il faut que j'enlève 200 PV, du coup. Là, je vais pouvoir lui enlever 200 PV, du coup. Et du coup, je peux le faire avec chaque personnage, en fait. Mais il faut que chaque personnage tue son... comment ? Tue son némésis, quoi. Et je sais qu'il y a des persos avec qui c'est plus ou moins évident. Mais là, à un moment, j'ai fait en sorte que ma team puisse s'en sortir, donc... Il fait chier à faire ça. Ça me met dans la sauce. Bon, lui, prochain tour, il est mort. Je vais juste faire ça pour m'enlever du stress. On va faire ça. Voilà. Ça, ce coup-là, il fait un peu mal. Je vais me soigner quand même. Du coup, je vais focus lui. En fait, là, s'il passe en dessous de 600 PV, y a moyen que ça passe, quoi. 12, c'est bien. Ah non, les bâtards! Il m'a empêché d'attaquer avec les cons. Trop, puis en plus il allait crever. Ok. Par contre c'est chiant le stress là. Quand même les faire tanker, hein, tant pis. Mais... Ok.
Ah, c'est lui qui a la boute. Non, lui. Ah putain, lui il a le soin. De toute façon, lui il est mort. 12, ouais, lui il va mourir. Bon, alors là, je suis un peu dans la merde niveau stress. Je vais être obligé de faire ça. Et même si j'arrive à lui faire sauter un tour, ce serait pas mal. Alors qui je mets après? Parce que lui il va stresser de fou. Peut-être mettre elle quand même. Il a 36 par tour. Hein. Je vais mettre elle. Ok, donc il m'empêche de faire ça, du coup je vais faire ça, c'est con, je fais pas beaucoup de dégâts avec ça. Ça je fais 4-6. Je dois faire ça. De toute façon je peux pas bouger donc... Là on va... Attends, peut-être plutôt faire ça. Là on va continuer le poison. Je sais pas si je peux tanker pour elle. Je vais faire ça. Le problème c'est que là ça va monter tout doucement. À la soigner. Moi, je verrai après. Putain, mais il résiste au poison. Je vais être obligé de soigner là, je pense. Putain, il fallait pas qu'il résiste au poison, bordel. Oh là 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 là. Oh non. Oh. Un gros moche qui va carry. Je vais voir si je peux te défendre, mais je pense pas, mais on va essayer. Jusqu'à la fin, enchanté. Ouais. Vas-y, tant pis, il faut que je le tente. Il est combien en... Putain, mais il a que 20 en résistance, quoi. J'arrive pas à l'empoisonner. Voilà, ça c'est bien par contre. 6 et 6, 12, il lui reste 13. Putain, ça casse les couilles! Ah ça je peux le défendre, ah, ça c'est bien ça par contre. Ça par contre c'est bien. Gros moche il va carry là.
Non mais là normalement je suis bien, parce que là lui va rejouer, bah, il va prendre. Du coup je peux refocus le boss. Là normalement on a fait le plus dur. Enfin presque le plus dur. Oh putain merde, je peux pas tanker du coup, faire ça. Bon, on n'a pas fait le plus dur en fait, je peux encore crever. Allez, on y croit. Si c'est pas beaucoup. Dix-neuf. Oh putain. Ça va peut-être suffire. Ça va suffire. Bam. Petit con. Petit con. Ok. Une petite fléchette là-bas. Ça sera pas suffisant. Du coup, on fait la double couille. Faire ça, hop. Là c'est Gros Moche qui va faire son 1v1. 1v1 Gros Moche. Avec le fantôme. Ça se trouve le boss il va mourir avant avec le poison. Gros Moche qui domine sur 1v1. Ah merde, je peux pas. Je peux me soigner? Ouais, mais je vais faire ça. Je pouvais pas l'empoisonner. Allez, Gros Moche. Gros Moche qui taunte. Du coup, on va continuer, hein. Enfin, ça se trouve, il y a encore une phase après. Et là, ça serait terrible. Saleté de fantôme. C'était anciens coéquipiers que t'as laissé mourir au combat, je crois. Mes souvenirs dans son histoire. Ou genre, t'as donné des ordres de merde et ils sont morts. Ouais, par contre, il faut faire que je commence à taper là parce que. Espoir! C'est vraiment ça le bonus? Enfin, je commence à cogner du coup. Si mourir des gens, bah tiens, ça va être ma faute. Bah ouais. Ok. On va remettre du poison. Putain, le poison n'est pas passé. On va réussir à le buter sans que Gros Moche ait terminé son. On va essayer de faire ça. Si, on va laisser Gros Moche terminer son duel quand même. Je crois qu'il aura même pas le temps en fait. 5 PV. Ah. C'est peut-être le dernier coup quoi. J'ai. Ah non, bah je peux même pas. D'accord, très bien. Ah si, là peut-être. Est-ce qu'il va gagner son 1v1 contre le fantôme? Oui! Ah, quel boss. C'est bien, il lui reste 17 PV, je voulais envoyer 200. Voilà. Bam. Et le pire, c'est que c'est moi le joueur là. En fait, je me suis tué quoi.
Enfin, je suis quand même revenu beaucoup plus serein que la première fois. Quoi. J'ai jamais joué ce perso-là, je l'ai trouvé trop nul. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. C'est que même quand ça va mal, il y a toujours l'espoir. Par contre, la menace sur tout le monde, quoi. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Tout le monde peut avoir l'espoir, mais tout le monde peut foutre la merde. Très bien. Ah bah. Merci pour le follow, monsieur Soukouloum.